je vais vous parler, je vais pas vous parler trop de vers de terre. Je vais en parler un peu quand même, hein. Je peux pas m'en empêcher. Bon. Mais surtout après la présentation brillante des trois larrons qu'on a eu tout à l'heure, là, ici, hein, et de Stéphane Le Foll, bon, je pourrais presque dire, j'ai plus rien à dire. Mais si. Il y a un domaine entier qui est complètement passé sous silence et pour cause, parce que ça ne concerne aucun des trois larrons, ni de Stéphane Le Foll. C'est une énorme carence actuelle du monde scientifique. Alors, je m'excuse, mais j'ai, comme il m'a dit, 45, 50 ans dans ce monde scientifique et je continue d'y sévir. Et cette carence, tant qu'elle ne sera pas levée, expliquera la catastrophe agronomique que nous vivons actuellement sous le nom d'agriculture conventionnelle, quand on est poli, hein, intensif, quand on est plus clair, on pourrait dire des sols nus, comme ça vient d'être présenté, et autres inconvénients qui viennent d'être évoqués, je ne vais pas recommencer. Cette agronomie conventionnelle a développé depuis la guerre, comme dit Stéphane Le Foll, des agrotechniques qui ont cette propriété d'être toutes rejetées par l'agroécologie. Ou, je les prends, le labour, non. On prône aujourd'hui le non-labour, le semi-direct. Les pesticides, tout de synthèse, tous rejetés. Bravo, hein. Donc ça, c'est les apports de la chimie, mais les engrais, rejetés également pour l'essentiel. On préfère nettement les engrais verts ou les matières organiques recyclées. C'est-à-dire qu'aucune des agrotechniques mises en œuvre actuellement par l'agriculture conventionnelle ne sont utilisées en agroécologie. Alors, ça a l'air d'être l'agroécologie, alors c'est le refus de tout. Mais pourquoi il y a ce refus? Ça, on oublie de le dire. La raison fondamentale, à mes yeux de chercheur, et là c'est le chercheur qui parle, c'est pas l'agronome, c'est que, tout simplement, la recherche n'a pas du tout fait son boulot sur un point essentiel. Elle n'a pas évalué l'impact de ces agrotechniques que je viens de nommer, hein, labour, enfin, travaux mécaniques, consommateurs d'énergie. Elle n'a pas évalué l'impact effectif, et ça a même été une belle hypocrisie. Je le développe dans un texte que vous aurez l'occasion de lire si ça vous intéresse, pour surtout ne pas étudier ce que font les produits chimiques quand on les apporte au terrain. Le terrain n'intéresse pas la recherche agronomique, ni la recherche académique d'ailleurs. On fait soi-disant de l'écologie, mais vous allez voir que ce n'est pas de l'écologie. C'est ce que je suis obligé d'appeler de la méta-écologie, puisque les scientifiques disent qu'ils font de l'écologie, mais ils font de l'écologie comme la métaphysique fait de la physique, de façon largement abstraite et hors sol, si j'ose dire. Alors, je vais vous montrer ça, et cette carence-là, là, aujourd'hui, c'est un appel que j'adresse, en fait, aux responsables des institutions scientifiques, qu'elles soient académiques ou appliquées, qui prétendent avoir quelques rapports avec nos milieux, et qui prétendent même faire de l'écologie, sans savoir du tout la définition de l'écologie. C'est pour ça que je vais commencer par celle-ci. Alors, voilà, c'est déjà au-dessus. Alors, je dis bien pour que la recherche contribue sérieusement, c'est là, tout est là, à l'agroécologie et l'environnement. En effet, actuellement, on fait de l'agroécologie grâce à des praticiens qui échangent leurs pratiques, qui améliorent, qui observent, qui réfléchissent. Où est la recherche là-dedans? Je vous dis, tous les apports de la recherche sont rejetés. Bon, les agrotechniques, rejetées. Alors, pourquoi elles n'ont pas été évaluées? Alors maintenant, allons-y. Alors d'abord, une chose rare, je vous présente la définition de l'écologie. Je ne l'ai pas écrite, elle a été écrite en allemand dans le royaume de Prusse en 1866 par ce brave homme, monsieur Ernst Haeckel. Mais j'ai dû pendant des années ferrailler pour la découvrir, parce que je suis diplômé d'un troisième cycle d'écologie à Orsay, hein,
je ne savais pas ce qu'était l'écologie. Quand j'ai posé des questions à mes professeurs, ils ne savaient pas, sauf un qui a annonné ce qu'il avait lu dans un livre qui était faux. Bon, il m'a fallu des années pour découvrir la définition authentique de l'écologie. Bon, alors j'ai découverte, je l'ai traduite, et j'ai réussi à la publier, parce que c'était tout aussi difficile, en 1990. Parce qu'elle pose quelques problèmes, je crois que je vais les évoquer. Attendez. Alors, c'est une science exacte. C'est pas une science du baratin. Hein ? C'est pas non plus un mouvement politique. L'écologie, c'est une science exacte de la matière. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur trois sciences tout aussi exactes de la matière, la physique, la chimie, la biologie, et tout ce qu'elle combine par ailleurs, la climatologie, pédologie, c'est-à-dire toutes des sciences exactes. Il n'y a aucune raison de se contenter de baratins, ou de trucs à peu près, ou des choses qui... Oh, c'est mieux que rien, comme on m'a souvent dit, en faisant des travaux débiles. Ça, je les ai tous vécus. Hein. Preuve à l'appui. Alors, elle oblige, vous avez vu, science globale, elle oblige à intégrer les savoirs acquis dans les champs, les élevages, quel que soit le caractère borné du spécialiste qui observe ce qui se passe dans les champs. Moi, j'ai étudié quand même un petit peu les vers de terre, mais mon apport doit s'intégrer dans cette science. Eh bien, il ne s'intègre pas dans cette science parce que cette science n'est pas mise en œuvre par les institutions scientifiques actuelles, quelles qu'elles soient. Donc, c'est une carence majeure du monde scientifique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on n'a tout simplement pas fait attention à un petit truc, c'est qu'il y a une méthode scientifique fondamentale qui est toute bête, hein, qui se fait dans les spécialités. Or, les spécialités, ça marche, la science fonctionne bien, hein, mais pas l'écologie qui est une science globale. C'est quoi ? Ce dont on parle, on l'observe et on parle de ce qu'on observe, pas autre chose. Or, quand vous entendez les écologues des instituts scientifiques, ils parlent de tout autre chose de ce qu'ils observent. Et surtout, en général, ils n'étudient pas au terrain, ils étudient dans des petites boîtes ou dans des modèles sur ordinateur. Ils ne vont pas valider leurs modèles, parce que qu'on fasse des modèles sur ordinateur, je suis d'accord, mais il faut aller valider sur le réel. Ça, non, ils ne font pas. Deuxième chose, il faut parler un langage qui soit accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de baratin, ni d'éco-baratin, ni de parler en n'importe quoi. C'est très facile aujourd'hui sur ordinateur. Quand vous avez un mot que vous ne comprenez pas, c'est parfaitement autorisé en science. Vous cliquez dessus, vous avez la définition. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas un mot qu'il faut employer comme ça. C'est l'intelligence naturelle qu'on construit à l'intérieur des ordinateurs. Pas n'importe quoi. Troisième élément qui est tout aussi fondamental, toutes les interprétations que le professeur Nimbus, et j'en suis, vous propose, doivent être soumises à critique. Si vous ne pouvez pas les critiquer, on vous demande d'y croire. Ben, c'est actuellement à peu près tout ce qu'on fait en matière de soi-disant écologie scientifique. Hein ? Non seulement en France, mais dans le monde. Pour la même raison, on a oublié la définition du mot écologie. Alors, on l'a oublié dès le départ, soyez tranquille. Pourquoi ? Parce que science globale, il est évident qu'en 1866, on ne pouvait pas le faire, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais moi, je suis de la génération qui a vu apparaître l'ordinateur, qui a vu le rentrer en pratique, et je l'ai mis en application. Mais j'ai été le seul. Alors bon, m'excuse, je suis un fossile vivant de l'écologie, mais je suis écologue. Bon. Alors, donc, j'ai déjà dit, exclusion des agrotechniques. On ne les évalue pas au champ, je parle, hein, sérieusement. Les pesticides, actuellement, s'évaluent dans des boîtes de pétri, au laboratoire. Ça n'a aucun sens. On a donc substitué l'écologie vraie, qui a été totalement oubliée, par cette méta-écologie qui s'appelle écologie scientifique dans tous les ouvrages, hein, savants, et qui n'est pas de l'écologie, puisqu'ils ont oublié la définition. Y compris dans l'enseignement supérieur. Hein. Ce que je dis là, c'est il n'y a pas d'exception. Je n'ai encore jamais entendu un enseignement supérieur qui part de la définition et qui engage à partir de là les démarches qu'il faut faire.
l'écologie reste entièrement à mettre en place. Alors, surtout, avec l'écologisme, on a écarté les études rigoureuses dans les champs, hein, ça s'appelle ici agroécosystème, parce que c'est un terme plus général, ça tient compte aussi des élevages, n'est-ce pas ? Bon, permettant toutes les falsifications, parce qu'en laboratoire et en truquant bien vos résultats, surtout en manipulant en aveugle, puisque vous ne validez pas sur le terrain, vous sortez tous les résultats que vous voulez. Alors l'exemple le plus beau, c'est qu'on vous parle de tests d'écotoxicologie, c'en est un exemple, mais à la fois de baratin sur le terme, l'écotoxicologie, c'est l'étude des toxiques, comme dit son nom, dans les écosystèmes. Non, non, non. Quand on fait un test d'écotoxicologie, c'est une manipulation au laboratoire qui, soi-disant, est un test d'écotoxicologie. Vous voyez la tromperie. Bon, alors je prends ce cas-là. Alors enfin, ensuite, c'est l'omerta sur la méthode scientifique. Il se trouve que j'ai travaillé sur cette question. Il se trouve que j'ai publié. Ça n'a servi à rien. Alors, il ne critique pas, non. Non, non. Aucune critique. Je n'ai jamais reçu l'ombre d'une critique. Autant mon livre sur les vers de terre, là, de tout à l'heure, on vous a brandi, m'a valu un courrier abondant. Manifestement, j'ai des lecteurs. J'ai même eu un agronome qui n'a rien compris et qui m'a écrit un truc débile basé sur les raisonnements classiques de l'agronomie orthodoxe. Mais au moins, il m'avait lu. Hein, et j'ai pu lui répondre qu'il ne pouvait pas se baser sur la façon dont l'agronomie officielle fonctionne pour raisonner sur ce qui se passe dans les champs, puisqu'ils ne savent pas ce qui se passe dans les champs. Le sol est en effet, en science actuelle de l'agronomie, une boîte noire. C'est-à-dire, on regarde ce qu'on met à l'extérieur, les traitements, les machins, on regarde les rendements qui sortent, mais on ne voit pas du tout ce qui se passe dans la boîte. Alors, ce qui se passe dans la boîte, il y a les fuites, il y a les pollutions dans les rivières. Mais ça, on ne le voit qu'après, quand il y a des écolos. Alors, je parle cette fois-ci des écologistes, de ceux qui regardent dans les champs les effets délétères de cette agronomie intensive. Alors, omerta complète sur mes travaux de ce point de vue-là, puisque tous tendent à introduire une écologie rigoureuse, scientifique, tout simplement. C'est synonyme, une science bien faite et rigoureuse. Alors, je vais vous montrer une application. Là, il y a des vers de terre. Ouf. Ça s'appelle l'ombricien, là-haut, L. Alors, de quoi s'agit-il ? J'ai travaillé dans une culture permanente, une prairie permanente au moins depuis 1840, et probablement depuis Saint-Bernard. Il y a un trou dans les documents à cause de la Révolution française. Les moines ayant été chassés, étant revenus à l'abbaye de Cîteaux où j'ai travaillé. Voilà. Donc, c'est une prairie, on ne peut plus permanente, avec en plus toujours la même agrotechnique, une année de fauche, une année de pâture, une année de fauche, une année de pâture avec des vaches. Bon. Et des fois un cheval. Dans cette prairie, je n'ai rien, parce que ça, c'est important en écologie. Il ne faut pas casser l'objet d'étude. Donc, je n'ai rien cassé. J'ai juste, en tapant sur une petite tôle, fait sortir 4 vers de terre par carré de sol de 50 sur 50. Bon, je ne rentre pas dans le détail, parce que techniquement, c'est beaucoup plus exigeant que ce que je vous dis. Je simplifie. J'ai pris 4 vers de terre, comme ça, plusieurs fois, 7 fois d'ailleurs, et il a fallu inventer les techniques avant, parce que c'est mon petit côté technicien. Si vous n'inventez pas des techniques d'observation, vous n'observez rien. Ce que fait l'agronomie actuelle, la recherche agronomique actuelle, puisqu'elle ne veut pas regarder le sol, elle ne le regarde pas. Alors là, donc, j'ai pris les vers de terre, je les ai ramenés au laboratoire, je les ai colorés par une méthode que j'avais mis au point au laboratoire avant, mais qui marche, qui permet de les reconnaître tout simplement. Et puis, en même temps, j'aurais donné une alimentation à base d'azote 15. Alors, soyez tranquille, c'est pas radioactif. C'est un azote absolument inerte. Vous en avez dans votre organisme, mais à des doses infinitésimales. Bon. Et l'azote qui domine, c'est l'azote 14. Bon, ça, c'est des isotopes. Mais là, j'aurais fichu de l'azote 15, et pas du 14, pour qu'ils deviennent des vers de terre azote 15. Et puis, ces vers de terre azote 15 irreconnaissables ont été relâchés au terrain.
dans du sol absolument non perturbé, je vous dis, depuis au moins 1840, et donc dans des conditions écologiques parfaites de respect de l'écosystème. Alors, c'est une prairie permanente, donc c'est de la permaculture. Et les vers de terre ont perdu leur azote, tout simplement. Alors, attention, ils perdent de l'azote, mais ils en prennent autant, hein, puisqu'ils sont remis dans le sol, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent, et ils mangent ce que vous avez vous-même, de l'azote 14. Et ils perdent leur azote 15, par quoi ? Par excrétion. Ils excrètent quoi ? De l'urine, hein, qui est de l'ammoniac, et des mucus. Bon, alors, on voit dans leur tube digestif, c'est oublié, c'est des quantités infimes, vous voyez, l'échelle est toute petite. Par contre, c'est la même échelle qu'au-dessus, le sol. On voit qu'il y a une partie de cet azote qui est excrétée par les vers de terre qui passe dans le sol. Et vous voyez, c'est sur 40 jours. Hein ? Donc, on retrouve dans le sol cet azote qui a quitté les vers de terre. Et puis alors, stupeur, parce que là, vraiment, je découvre un monde. Personne n'a jamais imaginé ça. La totalité de l'azote, là, c'est la somme. Là, ce sont les racines PR et plus la partie aérienne. La totalité de l'azote excrétée par les vers de terre arrive aux plantes et les nourrissent. Alors, d'une part, les vers de terre, pendant ce temps-là, ont pris de l'azote 14, et normalement, ils font de la saveille de l'azote 14. L'azote 15 ne permet que de repérer ce qu'ils font. Alors, regardez, je vous fais là des choses qui sont un peu tordues avec ces courbes. En réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est contrairement à ce qu'on fait que devant le sol, où on décrit les galeries de vers de terre, le nombre de vers de terre, la couleur du sol, etc., ce sont des valeurs statiques. Là, vous avez la dynamique pendant les 40 jours, de l'azote qui quitte les vers de terre, qui passe dans le sol brièvement et qui finalement arrive en totalité dans les plantes. On découvre une partie du cycle de l'azote. Alors, je vous le dis, ça va. Une partie du cycle de l'azote, c'est-à-dire, vous avez là une cinétique, un mouvement. On voit enfin un bout du cycle de l'azote que vous ne verrez jamais dans les livres. Dans les livres, c'est un cycle théorique, car on ne regarde pas dans le sol ce qui se passe. Je reviens toujours à répéter la même chose. Alors, on abandonne les vers de terre un instant, pas longtemps. Là, c'est une coupe de ce qu'il y a dans le tube digestif d'un vers de terre. Micro. Une coupe de ce qu'il y a dans le vers de terre. Vous avez là des morceaux de matière organique. Notamment, il y a des aiguilles de pin qui sont coupées en travers, là. Voilà. On voit que c'est un mélange de terre minérale, mais également d'un tas de matières organiques. En fait, les vers de terre, alors ça, j'ai une autre technique pour mesurer ça, c'est 300 tonnes de terre par hectare et par an, en moyenne en France, qui passent dans le tube digestif, où il y a un mélange avec la matière organique produite par les plantes, mais également, ils reprennent leur propre crotte. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Hein, parce qu'ils redigèrent plusieurs fois ça, vous voyez, ça c'est en partie indigeste pour eux. Donc ils remangeront une fois que les micro-organismes auront préparé le fromage qui est ainsi fabriqué. Alors, l'avenir de l'agroécologie, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'écologie, ce qui n'est possible qu'à condition que nos connaissances soient gérées avec intelligence, en s'appuyant sur l'informatique. Mais attention, l'informatique, on peut mettre n'importe quoi dans un ordinateur et il vous ressortira du n'importe quoi. Bon, ça, j'ai appris ça il y a longtemps. Par contre, si vous êtes rigoureux avec une démarche scientifique fondamentale bien respectée depuis le terrain, comme je vous l'ai montré, et que vous allez jusqu'au bout, vous avez des résultats qui peuvent être en plus totalement soumis à la critique. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je vous dis. Vous pouvez aller voir. Ça va être mis bientôt tout en ligne. Alors, hop, un petit coup encore. Alors, vous allez voir, j'ai fait un livre sur les vers de terre, très ancien, j'en parle pas. Un livre, écologie opérationnelle, assisté par ordinateur, personne n'en parle, omerta. Pour un renouveau dans l'environnement, omerta. Personne n'en parle, j'ai jamais eu une critique. Hein, écologie et environnement, personne n'en parle, jamais eu une critique. Par contre, effectivement, des vers de terre et des hommes, là,
succès de librairie complet et succès public. Alors, simplement, c'est pour vous dire que là, je suis en plus, vous voyez, des vers de terre et des hommes, c'est repris là-haut avec une petite faute d'orthographe en chinois et passé en anglais ensuite. Et oui, c'est pas en pluriel. Hein. Moi, j'ai parlé des vers de terre et des hommes, et là-haut, c'est traduit, hein, Earth, Home and Human. Bon, pourquoi ? Parce que les Chinois n'ont pas d'article et le pluriel n'est pas facile. Bon, alors, c'est le premier congrès international dont j'ai eu l'honneur d'être président d'honneur, voilà, à Shanghai en 2018. Donc je ne suis pas du tout un homme aigri pour les vers de terre. Je suis un grand homme. Pour l'écologie, surtout, ne parlez pas de mes travaux. Ils sont trop fondamentaux. Merci beaucoup, Marcel. Reste une minute.